C'est parti, SOE. Si on veut prendre le dessus, on doit être prêt à tout. Même à travailler avec le SOE. Les forces spéciales britanniques. Il y a un truc qui se prépare. Tu m'étonnes. Même Davis est là. J'ai d'abord reçu des renseignements de la résistance à propos d'un train allemand stationné à Argentan. Transporterait des fusées V2 en prévision d'une attaque sur Paris. Cet arrêt à Argentan nous laisse le temps de positionner notre escouade. Ce train doit être stoppé. Vous avez brillé à Marigny. Pour cette raison, nous vous offrons cette occasion et ce privilège. Merci, mon colonel. Mais on dirait une mission pour plusieurs escouades. Pourquoi vous allez faire équipe avec le SOE ? On dirait que vous l'avez bien entamé. Vous en faites pas, lieutenant. On vous en a gardé un peu. Les agents Vivian et Crowley dirigeront les opérations. Ils travaillent avec la résistance depuis des mois et connaissent parfaitement la région. Vous vous en remettrez à eux. On a appris pour Marigny. Beau boulot. Ah, c'est un travail d'équipe. On a fait que notre travail. C'est du bon travail, mais juste une mise en bouche, j'en ai peur. Ce train n'a rien d'ordinaire. C'est le bunker sur rail. Notre agent de liaison avec la résistance Rousseau nous aidera si c'est possible. Mais s'il y a des attaques sur leur réseau, on devra se débrouiller seul. Le destin de Paris est entre vos mains. Paris ? Wow ! Ça me rappelle le passage du train dans Uncharted 2. Ça me rappelle notre parachutage dans le Vercors. La Gestapo en a bien 20 parlé. Août, à bord d'Argentin. Bon, ne me dis pas que je vais devoir la jouer discret. On dit beaucoup de mal des vaches, mais leurs trains sont à l'heure. C'est le plus gros train que j'ai jamais vu. Et sacrément blindé. C'est un Panzerzug. Ces V2 portent à plus de 300 km. Assez pour atteindre Paris. On doit faire en sorte qu'ils ne puissent pas arriver. Chut. Mouvement ennemi devant nous. Bon, Vivian et moi, on va s'en charger. Turner, ce sera votre signal. Pardon ? Vu tes exploits avec Zussmann à Marigny, tu fourniras un appui-feu. Allez, ok, go ! Ok. Montée silencieuse. Oh. Oh. Ok. Tiens. Putain, encore de la distraction. Ok. Ça, c'est fait. Furtivité. Et c'est caché pour le bas de bas. Les ennemis passent par le bas. Ok. Ok. Abattre. Ah. Agent Vivian. Ah. Voilà. Atteindre le train. Oula, attendez, il y a une voiture. Non, t'as rien entendu. Attendez, il est tout seul ou pas? Je tente. Ouais, c'est bon. Ok, point de contrôle atteint. Non, t'as rien vu. Eh putain, l'enfoiré de merde. L'enculé. Arrêtez le train.
J'y crois pas, bordel, à cause d'un connard. Oh la merde, attends. Ah mais putain, casse-toi. Non, il y a un allié qui va se faire buter. Tu vas t'en tirer. Allez. Et l'enculé. Putain de chien de merde. Ah, je vais le buter. Eh mais le clé. D'accord, on vient ici. Et les enculés. Ok, je refais ma strat. Ok. Quoi? Non mais sérieux? Sérieux? Mais on est obligé de se faire voir du coup. Ça va aller. Voilà toi. C'est bon, je l'ai sauvé. Il me faut des munitions, chef. Vite. Voilà, soldat. Balance une grenade. Oh là, les sales cabots. Voilà, bien fait. Dédicace à la SPA. Putain. Ok. Oh. What. Mais quelle bande d'enfoirés. Mais non. Mais non. Accroche-toi, l'ami. Non, la grenade. Voilà. On a encore le temps. En voilà par ici. Chef. Il faut plus de munitions, chef. Merci. Il fait quoi, lui? Alors, foire, mais il y en avait un ici. Voilà. Putain. Ok. Bon, finalement j'ai réussi à y aller sans me faire choper. Je vais encore conduire. Bah putain. C'est parti. Oula. Oula. Tu le vois? Là-bas, mets le gaz. Ouais bah je fais ce que je peux hein. À gauche. Wow. Oula. La vie. Ah mais ça va hein, je fais ce que je peux. Sous le pont. Allez, si t'es pas content t'as qu'à prendre le volant. Merde, il me tire dessus. Bah sans ah, blague. Prends le volant hein. Franchement, je te le donne. Je te le donne bon aussi le volant, oula. Voilà. Ah c'est pas le moment hein.
Ouais, bah vas-y, conduis là, j'en ai marre de te plaindre. Oula, ok. Attention, boum. Maintiens la trajectoire. Tu balances des grenades. Lâche-la. Ok. On doit atteindre la locomotive. Et plus vite que ça. Continue à tirer. Oh là, les mecs ils avaient un lance-roquette. Ah non, ça pète pas. Boum. Hop là. Oh merde. Oh ma vache. Oh ce bordel. Mais oh non. Que c'est pas fini. Tête. Ah putain, mec. Merde. On vient de faire ça. Content qu'on s'en soit tiré. C'est clair. Oh, ça fera date. J'espère que Styles a des photos. Personne ne lâcherait peut-être même pendant 5 minutes. Oh putain. Fais gaffe. Suivez-moi. On rejoint notre section. Pardon mais. Mais vous êtes qui vous? Une amie. Faut se dépêcher. Ok. Tenez. Je devrais peut-être changer d'arme. Attendez, grenade. Ok. Oula. Tenez. Ah putain, mais il y en avait un à terre. Je crois qu'il y en a un qui est caché derrière. Ouais, complètement. Ouais, passe. Merci. Désolé.
Oh, truc qui brille. Oula. Hey. Hey les copains. Je crois bien que ce sont les hommes à vous. Ah, vous avez rencontré Rousseau. Elle est du maquis, résistance française. Elle a tué un boche qui nous tirait dessus. Vous pourriez au moins essayer de les interroger avant. Ça apporterait plus d'ennui qu'autre chose. C'est pas passé loin. Vous avez fait un sacré grabuge. Vous étiez censé stopper le train, mais pas le détruire. Mais désolé que tout n'est pas tourné comme prévu, mais d'un autre côté, on vient d'alerter toutes les garnisons allemandes qui se trouvent dans le secteur. Il faut y aller. Allez, en route. Non, oh, point. Vous confirmez, Major ? On a besoin que vous délégiez. J'ignore comment, mais Zeus et moi avons survécu à la destruction du train. Assez longtemps pour tomber sur une Française du genre coriace. Une dénommée Rousseau. Oh, je... pour... pour personne, ça lui fait chier. Devine un peu. Elle nous a envoyé chercher des documents dans les débris. Elle en avait besoin pour une mission à Paris. Et elle a du boulot pour nous. En faisant sauter ce train... Ouais. Ouh, c'était un vrai carnage, là.